Salut tout le monde, les amis, c'est Popo, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc pour comment installer le mode menu anti-fade en PKG sur la PS3 jailbreak, donc en sex ou en dex. Donc les gars, c'est très simple. Pour ça vous allez vous diriger sur les deux liens qui sont en description. Vous allez les télécharger, donc le mode menu anti-fade. Là vous pouvez fermer cette page et vous télécharger l'e-boot qui va avec. Donc attendez, juste reprendre, non, ouais, je vais juste reprendre les liens pour tout simplement vous les mettre après prochainement. Donc hop, donc les gars, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker si cela n'est pas déjà fait. Donc hop, je vais mettre ça comme ça pour pas que ça bug. Donc voilà les gars, donc ici vous allez cliquer sur passer l'annonce et là ça va vous ouvrir ça. Voilà, vous allez mettre ça là. Ici vous avez téléchargé le mode menu. En fait, comme je suis en vidéo, ça prend un peu plus de temps. Ça qui est chiant là. Donc on va attendre. Donc les gars, le temps, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker si cela n'est pas déjà fait, je le répète. Est-ce que je peux pas mettre le stop dedans? Raccourci. Donc le temps qui se décharge. Commencer, arrêter. Non, il n'a pas de stop. Bon, bref. Donc, les gars. Hop. Est-ce qu'il était chargé? 2 minutes. Donc, après, vous avez téléchargé l'e-boot. Voilà. L'e-boot, il va très vite. Comme il ne fait pas beaucoup de gigas. Bah, pas beaucoup d'MB. Donc, les gars, pour ça, vous devez avoir une clé USB. Donc, vous allez mettre votre clé USB dans votre PC. Le temps que tout ça se télécharge. Là, vous allez ouvrir votre clé USB. Dès que vous aurez ouvert votre clé USB, donc ça c'est pour jailbreak le truc là. Ici, vous allez mettre. Donc ça, je peux l'enlever. Donc les gars, j'enlève des trucs dans ma clé. Donc ici, ça c'est les. Attends. Ça, je fous ça dedans. Donc ça sert. Bah, c'est le webman et tout. Donc ça sert strictement à rien pour l'instant. Donc ici vous allez mettre le PKG anti-fade. Donc on va attendre. Allez, dépêche-toi la Mireille. Le temps Fred. Donc pour choper votre IP, vous êtes dans paramètres, paramètres système. Donc vous savez, dans paramètres système. Et vous allez dans information système, vous aurez adresse IP. Donc votre adresse IP, vous allez la mettre ici. Là. Merde. C'est pas la bonne. Comme j'ai changé. .1.36. Hop, connexion. Voilà. Vous êtes dans HDDev0. Vous allez dans game Blaze 1717 Usir. Et vous allez mettre l'e-boot. Donc on va cliquer dessus. L'e-boot.bin. Donc on va le glisser ici. Oui. Donc vous allez remplacer votre e-boot que vous avez d'origine. Donc si pour aller plus vite, vous faites ça. La plus élevée, comme ça va aller plus vite. Voilà. Une fois que vous aurez mis l'e-boot, les gars, c'est très simple. Donc, vous pouvez le mettre aussi par multiman. Regardez comment installer un e-boot par multiman. Mais bon, voilà. Une fois ça fait, vous allez prendre le PKG et le mettre dans votre clé USB. Voilà, donc ça, normalement, ça va assez vite quand même. Hop, on va attendre. Allez, Mireille, plus vite. Hop, dès que vous aurez mis ça, il sera ici. Vous allez fermer ça. Et les gars, on se retrouve tout de suite sur la PS3 jailbreak. Donc, nous revoilà les gars sur la PS3. Donc, une fois que vous êtes sur la PS3, comme vous aurez pu voir en bas, vous voyez l'IP. Et bon, on s'en fout. Donc, vous aurez à ici et vous allez chercher votre IP ici. Ou sur Dex, elle est notée en bas. Donc, les gars, je vais vous expliquer maintenant. Donc, sur Dex, ça sera gestionnaire de PKG, installation standard. Et pour sexe, après peut-être vous avez aussi ce système-là en sexe, ça dépend. Sinon, ça sera écrit install package file.
et vous cliquerez sur dessus et vous aurez tout simplement votre machin, le PKG, voilà. Donc les gars, dans une prochaine vidéo, je vous ferai montrer pour comment désinstaller de votre console. Donc ici, dès qu'il sera là, il sera ici, voilà. Donc vous allez le lancer. En même temps, je vais vous faire montrer pour comment accéder en ligne avec le mode menu. Donc les gars, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à mettre un maximum de likes. Ici, vous allez faire OK, ça c'est machin, oui. Là, vous allez cliquer sur Sex Dex. Et pour ceux qui sont Dex, en Sex, vous cliquez ici et vous l'installez. Et en Dex, vous cliquez ici et vous faites oui. Donc là, il va s'installer quand même. Normalement, il va quand même aller assez vite. Le temps, les gars, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à aller checker les chaînes qui seront en description. Donc les gars, là, le mode menu est en train de s'installer. Les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Donc là, il va copier 6 fichiers. Donc voilà. Donc les gars, au passage, je voulais vous dire qu'on arrive bientôt aux 4800 abonnés. Il ne nous manque plus que 7 abonnés, je crois. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, la vidéo pour comment jailbreak la console, elle a 40 likes. Il nous manque bientôt 10 pouces bleus, nous aurons les 50 likes. Et je vous mettrai le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller la liker au passage cette vidéo. Donc il a des bugs de vue, elle est bloquée à 200 vues. Donc là, les gars, vous allez faire OK, vous allez quitter le XMB. Donc bien sûr, les gars, vous allez quitter le PKG et retour au XMB. Donc XMB, c'est l'écran de démarrage de la console. Là, voilà. Ici, les gars, vous allez lancer votre jeu. Pour ma part, moi, il est ici dans mes jeux. Hop. Le faire oui. Et là, vous allez lancer votre jeu. Donc voilà. Donc les gars, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai pour comment le désinstaller. Et voilà. Les gars, je vous invite franchement à aller voir les chaînes qui seront en description. Ça leur ferait super plaisir de s'abonner à leur chaîne. Donc j'espère que la qualité avec Laver Media est assez bonne. Voilà. Donc une fois ici, les gars, vous allez faire jouer en ligne. Donc pour avoir, moi je spawn directement en ligne parce que j'étais dans mes options et tout. Donc ici, ça serait écrit RSPRX. Et là, vous faites oui, c'est-à-dire pour l'injecter. Donc voilà, là, le mode menu est injecté. Donc les gars, moi je vais me connecter en ligne parce que j'étais pas connecté au PSN. Là, vous allez vous connecter au PSN. Donc les gars, voilà, là, ça vous fait connecter au PSN. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Monsieur Renox, ça sera en description au passage. Et s'il met un bon commentaire, je l'épinglerai. Donc ici, vous allez faire jouer en ligne. Donc les gars, vous allez lancer une partie personnalisée. Donc vous allez mettre comme vous voulez. Donc voilà. Donc voilà. Allez. Bon, les gars, je vais fermer le groupe, sinon je sais pas là. Allez, mets-moi la partie là. Bon, c'est pas. Comme ça marche pas trop, on va faire ça standard mais général. Donc les gars, vous allez lancer la partie. Donc, les gars, là, ça va lancer la game. Donc, je vais vous expliquer parce qu'il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, il marche pas le mode menu. » Donc, si ça suivait le tuto, ça doit marcher. Et en haut, c'est écrit « Menu Background Life ». Tu fais R1 couteau. Et là, tu auras le mode menu anti-fade. Pour aller en ligne, c'est très simple, frérot. Tu ouvres le mode menu, tu vas dans Menu Host, Force Hot. Et là, tu peux jouer en ligne. Donc, voilà. Donc, voilà, les gars, c'est déjà fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu en ma compagnie. Sur ce, les gars, c'était Popol. Je vous dis à très très bientôt. Allez. Oh!